petite recette hyper simple de foie gras qui va être caramélisé. Alors déjà, vous prenez un foie entier que vous coupez sans le dénerver. Donc vous voyez, en cube à peu près comme ça. Ensuite, il nous faut du vinaigre de rérès ou un vinaigre de framboise. On met 4 bonnes cuillères à soupe. Voilà. En rajoutant un petit peu d'eau. À peu près autant que de... Voilà. Hop. Quand ça bouge, ce qui va arriver très vite, on met le foie gras dessus. Donc là, mon foie gras, je le mets dans... fait tout donc à trous, que ce soit comme une couscoussée pour faire cuire les légumes à la vapeur. Vous allez voir, c'est très rapide. Il faut 4 minutes pour le cuire. Voilà, donc, je dispose bien sur mon... Je vous montre. Je sale, je recouvre et je laisse. Pendant ce temps-là, j'ai découpé un... Je me suis équipée d'un moule et un carton. Et donc, je vais mettre ce carton. Voilà, le foie gras. Je vous montre. Donc, et hop, je le mets mon foie gras. Je mets un petit peu de poivre. Carton par-dessus, j'appuie bien. Donc vous voyez, ça commence à enlever le carton et vous voyez, toute la graisse est remontée et il en reste très très peu. Donc ce qu'on va faire, on va enlever cette graisse. Pendant ce temps-là, j'ai fait un caramel avec de l'eau et du sucre, tout simplement. Donc là, tu peux couper. Foie gras, on ne peut pas enlever tout, vraiment tous les petits... Là, les petits morceaux de graisse, parce que sinon on l'abîme trop, mais ça doit faire à peu près cette impression là donc ça va faire à peu près une heure avant de le servir. Là, donc mon caramel est quasiment fait et je vais l'éteindre avec l'huile de pomme. Donc j'éteins et tout de suite je verse sur le foie en essayant de répartir. Quand vous allez le manger, ça va pas faire des belles tranches bien présentables, mais ça va faire... Mais le foie gras aura un parfum particulier. Voilà, on le laisse un tout petit peu refroidir, on le remet au frigo. C'est fini! Bien rose. Voilà!